un truc là. Regardez, quand il y en a plus, il y en a encore. Filme. Ah non, 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 filme pas, on peut pas. Il y a des CRS. Ah bah je filme le bas, hein. Je filme un peu en bas. Hein. Ouais, pas tout, mais un petit peu quoi. On verra pas tout. On verra pas tout. Parce qu'il faut qu'on fasse, le. Le drugstore, le Publicis. On va descendre après, on va garer le taxi. On va garer le taxi puis on va aller marcher à pied un peu tranquille. Ouais. Publicis. Bon. Sur la droite. Je me prépare parce qu'il y aura une musique. Tiens, il y a le dépistage ici. Ah non, il y a un dépistage. Ah oui. Pour ceux qui ne sont pas sur la piste, vous pouvez vous faire dépister. Les médicaments, c'est une trappe. On vous repiste ou on vous dépiste? C'est pour la nuit. C'est pour la nuit, ouais, parce que c'est 24 sur 24. Voilà, c'est ça. C'est comme chez le pompiste, t'as les médicaments la nuit. Ouais. Le petit pompiste. Vous vous souvenez comment il s'appelle? J'ai dit, l'artiste, c'est Christo. Hein. Christo. Il n'y a pas de prénom, c'est juste Christo. Son nom d'artiste, c'est Christo. Christo. Mais ça fait longtemps qu'il est dans le... Hein, Christo liquide. Alors, attends, filme pas. Oh là là, bah, je vais commencer à filmer, hein. Allez, on va y aller. Là. Ça y est. Pas longtemps parce qu'après c'est... Ouais mais YouTube ils vont me couper mon... C'est bon. Voilà, tonton Cristobal est revenu. Des lingots, des pesos. Ah, il y a du monde derrière. Ah, c'est vrai que quand même ça déchire quand même. Hein. Voilà, tonton. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal, hein. Ça change tout quand même. Hein. En fait j'aime bien, désolé mais j'aime bien quand même. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le montrer d'entrée. Ah ça décoiffe hein, quand même. Je l'avais pas vu, hein. Je suis comme vous, hein, je l'ai découvert. Ah ouais. C'est très spécial. Ils ont mis 2 mois pour installer tout ça. Hein. Par contre il y a du bleu qui garde. Hein. Oh là là, regarde ça. Mais tu crois que c'est pour Christo ça? Mais ça n'a rien à voir. Ah, il y en a partout. Mais non, ils vont pas garder l'Arc de Triomphe. Il y a un truc, ouais. Il y a un truc quoi. Bon alors, moi je filme à gauche. Ils ont encore les grues là? Toutes les grues sont là? Ah bah non, ils inaugurent. Ils inaugurent. Regarde, ils sont là, les huiles. Il y a les huiles. Les huiles? Il y a les huiles. Il y a le ministre de la Culture sûrement. Je pense qu'il y a les huiles. C'est Roselyne Bachelot, je crois, la ministre. Ils vont inaugurer peut-être. En tout cas, ils ont laissé les grues, ça fait mauvais genre. La police, alors laisse passer la police, laisse passer la Mégane. Vas-y, filme, voilà. je filme. Ouais, non, mais tu vas pas les suivre, laisse les bosser. Et on a toujours les... On va aller se garer puis on va faire le tour. Ouais. Les camions qui sont là, l'Oxam. Lui, il faut le laisser travailler, sinon tu vas faire partie du lot, là. Là, il y a les ministres. Parce que là, ils sont en protection absolue par rapport à l'inauguration. Donc, Non, c'est peut-être pas l'inauguration, c'est le truc de. Il y a un truc, hein. Il y a du monde, regarde les photographes, ils sont tous là-bas. Attends, on va se mettre là-bas. Attends, ils sont en train de bouger les choses. Oh là là, mais il y a des CRS partout, il y a quelque chose quand même. À mon avis, il y a quelque chose. Tonton Cristobal est revenu. Vive le barbu! Merci. Il était barbu, là. Attends, on va marcher, on va aller voir un peu. On va aller découvrir ça de plus près. Bah, tu pourras pas aller au centre. Ah là, regarde, ils sont là. Tu pourras pas aller au centre. Hein. Filme. Bah, évidemment, je filme, je suis en direct. Mais ils sont en train de prendre en photo la fille, là. Ah là, tu casses tout, là. J'ai 2000 personnes dans mon taxi avec YouTube là. C'est qui la dame? C'est qui en fait? C'est qui? C'est elle qui a fait le... C'est qui la dame? Eh, c'est qui la dame? Eh, c'est qui la dame? C'est qui la dame? Qui est la dame? Ah, c'est une actrice? C'est une... Brocanteur. Elle fait la brocante. Elle fait la brocante, ouais. Oh là là. Tu es espagnol, toi? Espagnol? Qu'est-ce qu'elle fait, t'inquiète? Ah, ça va être vert. Je sais pas. Alors, vous photographiez, mais vous savez pas ce que vous photographiez, alors.
Ah oui, mais c'est joli avec le derrière. C'est pas une dame, c'est un travlo. Ah, c'est un travestito. Bah, bon courage. Eh ben, c'est bien. Eh ben, c'est bien. Le mec, il m'a dit c'est un travlo. Je sais, on est là, hein. On écoute. Ils savent pas ce qu'ils prennent en photo, mais bon. C'est ça, c'est Paris, ça. Non, mais moi, je voulais me garer là, mais attends, là, pour l'instant, il y a des CRS. Ah, bah, ils continuent. Ah, c'est pas une femme? Mais si, c'est une femme. Ah, ils s'en vont. Ils s'en vont. Attends, il y a la dame. Mais là, c'est ma station. Bah oui, c'est ta station. Ah, mais il y a les gendarmes. Bah, ils vont te dire hein, s'ils sont pas contents. Ils s'en vont, on a de la chance. C'est bon. T'as fait rigoler tout le monde avec ton truc, là, ils sont travestis et tout. Attends, on va se garer. Et on va aller filmer. Mais d'un côté ou de l'autre, c'est pareil en fait après. De toute façon, on pourra pas se rapprocher du centre. Hein. C'est. Ah non, là au centre, tu c'est peux select. Pas, ouais, select. Ouais. VIP. Elle dit quoi la dame? Monsieur? Madame? Attends, c'est pas bien de dire travesti parce que ça se trouve c'est une femme. C'est ça. Le mec qui l'a dit. C'est le mec. C'est une femme. C'est non, bien, mais c'est le mec qui travaille avec elle, il la connaît. Ah, c'est espagnol. C'est des Espagnols. Ah, d'accord. Bah, sympa, comme... sympa comment il lui parle. Bon, on y va? Ouais, on est là aussi, nous aussi on filme. Après il y a un bon plan à faire là, voilà. On est sur l'avenue de la Grande Armée donc c'est évident quelque part il y a des belles photos à faire. C'est pas des photographes professionnels ça, non? Le mec devant là, regardez. Ouais, non, mais ils font genre, ils sont professionnels, mais c'est les amateurs, ça. C'est des vieux monsieur en quête de sensations fortes, alors. Ah, c'est bon, on va pas retourner les voir, c'est bon. Alain, tu vas où? On va traverser. Attends, ouais, on va par là. On passe par là, c'est bon. Attends, j'arrête là. Ouais. Bon, il veut discuter tranquillement avec des personnes. Bon. Ouais, ça fait plaisir de s'arrêter un petit peu parce que, évidemment, quelque part, c'est le grand jour, alors. 14 millions. Non, bon, ça fait sympa, mais je sais bien que 14 millions, ça fait mal. L'Arc de Triomphe empaqueté nécessitera 25 000 mètres carrés de tissu recyclable en polypropylène argent bleuté et 3 000 mètres de corde rouge de la même matière. Corde rouge, on la voit là. Cordon rouge. Fais pas écraser Alain. Non, il y a la police. Magnifique. 14 millions d'euros. 14 millions d'euros. Magnifique. On va tourner. On va aller voir ce qui se passe de tous les côtés. Le 14 millions. Ouais, 14 millions. Éphémère, hein. En fait, c'est quoi? C'est pas des ce ne sont pas des lanières, ils ont mis une bâche complète là. Par contre, là, c'est dangereux pour traverser. Et la bâche, elle est toute unifiée, la bâche. C'est des morceaux de bâche, on voit pas les coutures, on voit les plis. En fait, pour les anciens, si vous vous souvenez, il avait recouvert le pont neuf. Il avait fait la même chose avec le pont neuf dans les années 80-90. C'est là-bas, les. Ouais. Non, c'est mieux. Sinon, on va se chauffer. On va bien traverser où il faut, c'est mieux. Ok, il y a des gendarmes, hein. Ça, c'est une... c'est une BM, ça, décapotable. Ouais, d'accord, ok. J'avais quand même parlé des clous, mais tant pis. Allez. Ça, tu vois, Rémi, ça. Quoi? Ouais. C'est plus gros, là, tu charmes. T'as demandé si c'était une inauguration aujourd'hui? C'est une inauguration, hein. Regarde, ils ont les cravates et tous les mecs ils les attendent. Ouais, c'est ça.
mon avis, il y a un président qui va venir ici. C'est pour ça que... Et ça va rester combien de temps? Ah non, ça reste juste pendant un mois, ça, non? Ça va rester un mois ou deux? Ah là, on est en train de demander aux gendarmes. Ah là, ça se renseigne au niveau des gendarmes. Alors? C'est fini. Il m'a dit que c'était fini, que c'était tout à l'heure qu'il y avait les autorités. Ouais, mais c'était aujourd'hui. L'autorité, ouais. C'est aujourd'hui. Ouais. Là, c'est terminé, mais ils sont passés tout à l'heure. Ouais. Madame Bachelot est passée tout à l'heure, je pense. Bon, elle a tweeté tout à l'heure, Madame Bachelot, elle était là tout à l'heure. Ah ouais, ouais. Voilà, moi, mon rêve pour partir un camion comme ça. Là, t'as de la place pour... On traverse. Alors, on fait le tour, hein? Ouais. Bon, on fait le tour. Tu veux un camion de gendarmerie? Non, pas gendarmerie, mais cette taille-là, regarde. Hey. Derrière, il y a 4 pneus, tu peux charger 7,5 tonnes là-dedans. Ouais. Eux, ils ont un permis de 19 tonnes. Mais avec le permis de 7,5 tonnes, voilà. Voilà, moi, je ne prendrai jamais un truc de gendarmerie, mais... Après, il y a eu Laura, c'est pas bon. Mais c'est un camion comme ça, de cette taille-là. Là, tu peux charger. Parce que les petites camionnettes, c'est 3,5 tonnes, fais gaffe à la moto. T'as vu comment c'est balèze, regarde ça. C'est grand, hein. Bah, je vais vous dire, je prends même pas de photos. Moi, je préfère mon petit cadre. Je l'ai chez moi. Hein? Et il me fait plaisir. Voilà. Ça va, c'est bon un peu là? C'est bon un peu. Ah, mais on n'est pas du bon côté de la barrière là, c'est pas bon. On va passer par là. Ouais, ils s'en vont, c'est fini, ouais. On arrive trop tard, mais... bon, c'est pas grave. Non, ceux qui n'ont pas vu, vous regarderez le début du taco. On a fait un peu d'histoire. On a fait de l'histoire. Parti, ouais. Un peu comme un mariage le monde là. Regarde ouais. Ça. Hein? Là on est sur les champs. Publicis. Voilà. Là c'est meilleur faire filmer de l'arrivée. C'est combien de 807. Ouais, mais je peux pas voir parce que je suis sur le... You asked the right person to do that. Oh, thank you.
soldat inconnu va se retourner dans sa tombe. Mais Marianne, si Marianne était là, qu'est-ce qu'elle dirait, Marianne? Eh ben, elle est là. Voilà. Salut. Vive la France, vive la République, vive la fiction. Et on ne lâche rien. Merci. Attention à toi. Attention, fais attention à toi. Fais attention, on va pas te faire écraser. Tu n'écrases pas la Marianne quand même. Bah non. Non. Faites voir le livre. Juste une seconde, je vous le rends. Oh, vous étiez à l'inauguration alors? Regardez. Donc, Christo et Jean-Claude. Et Jeanne-Claude, c'est sa femme. En fait, sa femme est française. Voilà. Il est là, monsieur Christo. À droite, il n'est plus là et c'est sa femme. On montre juste... Sans... Oui, elle est un peu... Il y a une exposition en ce moment. Oui. Depuis ce soir. On peut vous filmer, non? Au Centre culturel de Gare. C'est où, ça? Ben, c'est rue de la Boétie, Miroménil. Juste en face du métro Miroménil. Ah oui, et c'est juste... 28 rue de la Boétie, à partir de ce soir. Christo de Gabrovo à l'Arc de Triomphe. Et c'est gratuit, on peut rentrer ben là-bas? Oui, 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 c'est gratuit. Il faut peut-être le pass sanitaire, non? Non. Ah ben, je sais pas, peut-être, je sais pas. Ah voilà, regardez, quand il fait des ponts, regardez, Rémi. Voilà. Donc il y a une exposition au numéro de la rue de la Boétie. 28 rue de la Boétie. Vous cherchez le centre culturel de Bulgarie? Parce qu'il était d'origine bulgare, monsieur Christo? Oui, oui. Ah, il est... ah, d'accord, je croyais qu'il était allemand, moi. Ça, c'est Christo encore. Là, vous voyez, vous avez de la chance. On a le livre en même temps. Voilà. Au départ, il a fait du dessin quand même, tu vois. Voilà. Eh ben, bravo. Voilà. Merci, madame. Comme ça. Super. Merci bien. On y va? On y va. Merci, au revoir, madame. Merci. Hein. Un petit peu de monde sur les champs. Continue le tour. Voilà, on est allé à New York avec une fille de McDo. Oh là là, regarde le trottoir, regarde le monde. Barrière, on dirait qu'il y a un massage. Il y a des forces de policières assez importantes. Hein. Ouais. Tout ça pour une cérémonie qui a lieu au centre. Alors que la périphérie n'est pas impactée, mais bon.
pas, t'as des images hein, pour le taco hein, quand même, ça va. Ouais. C'est quoi là les trucs en bois? On est avec l'Arc de Triomphe, t'as mis sa capote. Voilà. Avec des lanières, bien sûr. J'ai le droit, comme vous, de m'enthousiasmer quand je dis, voilà, on a l'impression qu'il a mis une bâche complète. Il s'agit de lanières, bien sûr. Avec des cordes rouges. Un paquet cadeau. Regarde, les hommes en bleu, c'est pour accueillir les gens. Pour qu'ils vont venir. Parce qu'il y a des millions et des millions et des millions de gens qui vont venir. Ah oui? Ah oui, oui. Jusqu'au mois d'octobre? Ah bah oui. C'est éphémère. Hein. D'ailleurs, il y a le compteur là-bas, on l'a vu. Ils en sont à 50 millions. C'est pas le même compteur. Bon, ça va être rouge là, c'est bon. Il y a le compteur. Attends, je cherche un canard pour te montrer. Ouais. Ils ont mis le masque à l'arc. Il y a un problème de métro à mon avis. Ah ouais. Ils ont coupé le métro. Et quelqu'un qui a écrit, ils ont mis le masque à l'arc. Un gros poisson. On sent le stress ici, hein, non hein. Il y a le stress, moi je sens du stress. C'est tendu du... Je sais pas pourquoi. De l'élastique. Alors qu'il n'y a pas de manif, il n'y a rien, c'est bizarre. Hein. On vient de faire un tour complet. Ah là, on va en faire 7. Oh non, 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 un tour ça suffit. On n'est pas. On n'est pas Concorde. La Concorde. Bah, ça aurait été plus facile juste devant l'Arc de Triomphe. Et t'as vu le gaz, t'as vu les gaz qu'il y a ici. Très pollué ici. Ouais. Voilà, allez. Tonton Cristobal est revenu. Elle est plus là, la dame. Ouais. Là, c'est une discothèque là. C'est le club de l'étoile. Ça fait restaurant discothèque. Ouais. Bon, vous reconnaissez Taco, c'est marqué Taco ici, Taco là, et derrière on n'a pas un Al1, mais on a un D1, Art D1. Voilà. On leur met un petit coup d'art, l'art de Trotti. Voilà. De l'art contemporain. Ça c'est de l'art contemporain, 14 millions, et ça c'est de l'art contemporain, rien. Et ça fait rien, c'est le cœur qui vient de là.
L'artiste s'appelle Julien Pinault. C'est un artiste, depuis 30 ans, il galère. Et maintenant, il a deux enfants. Je l'ai connu quand il avait 20 ans. Il continue, il donne des cours à des enfants de poterie, de faire de la terre, tout ça. Il fait de la sculpture, de la peinture. Et ben voilà. Et il y en a des milliers, des milliers. Et puis bon, il y a beaucoup de gens qui... C'est pas un peintre du dimanche, il fait ça par passion depuis qu'il est tout petit. Mais malheureusement... Regarde-moi, bouge plus. Pinault, Julien Pinault, comme le groupe Pinault, sauf qu'il n'a pas le même père. Voilà. Faut que je vois si je fais une image comme ça, je sais pas. Mais là, il y a un reflet. Voilà. Comme ça, c'est bien ça. Merci Alain. Voilà. Allez hop. Ça le fait ça avec eux. Avec le ouais. Voilà, allez. Ah, j'ai un truc à vous dire aussi. Donc ce soir. Ah ouais, parfait parce qu'il y a des gens qui arrivent. Jean Ferrat. Une super souris. Deux textes de Jean Ferrat magnifiques. Et j'ai quelque chose de qui m'est arrivé avec il y a son nom là. Ah tu vois, dis-le le mot. Gérard Mez. Voilà, Gérard Mez. C'était son producteur. Je l'ai pris dans mon taxi il y a peut-être 5-6 ans. Son bureau est au Pont d'Iéna, donc vous voyez que je raconte pas de conneries. Je l'ai ramené chez lui, il habite à Sèvres. Et j'ai discuté tout le long de la route, super sympa le mec. Et en fait... quand il est mort, Jean Ferrat, il a légué tous les titres de ses chansons. C'est lui qui s'en occupait. Et après, c'est lui qui aide sa femme, quoi, tu vois. Mais comment Jean Ferrat, j'ai lu ça dans... C'est pas lui qui me l'a dit, le gars, mais j'ai lu ça dans, en cherchant comme ça, en faisant une recherche comme ça. En fait, c'est lui le légataire d'estime, tu sais, des... Testamentaire. Voilà, c'est ça. Et je l'ai pris dans mon taxi, super sympa. Et moi, je voulais faire... Parce qu'il a fait une chanson... Il a fait une chanson sur Van Gogh. Et comme moi j'ai le costume de Van Gogh, je lui dis j'aimerais bien pouvoir faire un clip avec la chanson de Van Gogh. Mais je dis mais après il y a les droits d'auteur et tout, tu sais. Il m'a dit il n'y a pas de problème, tu viens me voir au bureau. Parce qu'en fait, ce monsieur-là, il n'a pas vendu son âme. Ça, c'est des vrais artistes. Et vous allez voir la souris ce soir. Cherchez la souris. D'ailleurs, je peux vous dire le nom de la. Le titre de Rémi ce soir, ça sera Paris en 2000. Et c'est un texte qui date de 1972. Voilà, donc vous voyez, la recherche, c'est pas... Moi, je suis un petit peu comme ça, mais il y a des choses. Donc, ceux qui sont intéressés, voilà, vous regarderez. La souris, merci l'an 2000. Voilà. Et voilà. Gérard Mess, maintenant, il commençait déjà à être vieux, mais là, ouais. Il va être vieux. Cherchez Taco, Taco Surprise, YouTube. Merci Alain. Bon bah on a fait un petit tour sympa hein. Ouais. Parce que comment Jean Ferrat il parlait. Il n'y a que chez Drucker qu'il arrivait à passer. Ah ouais. Les autres chaînes ils voulaient pas ils le passer. Ils voulaient pas. Bah non parce qu'il était un peu trop. Pour le pouvoir à l'époque, il disait des trucs. Un peu trop contestataire. Non, il était pour le peuple. Il était pour le peuple. Vous allez voir, les deux chansons, elles sont trop. Bon, je vais pas chanter, hein, mais je vais lire les textes. On part avec le crochet de boucher. Attends, je fais un plan, le crochet de boucher. Voilà. Tiens, et là tu vas filmer la bagnole quand elle va partir sa plaque là. Là c'est un beau chiffre derrière. Je vais le dire. Il y a un bon chiffre, c'est le chiffre de la voiture là. 29 au milieu. Ouais. 29, c'est le Finistère. C'est les Bretons, ils lâchent rien. Et Finistère, c'est Morlaix. Morlaix. Voilà. Donc, avec le crochet de boucher, Morlaix, Fort du Mordant. Toujours bien. Bon, on est sur un rond-point, c'est le bordel, bazar, pardon. C'est, y a pas de... Regarde les clients, ils filment le truc de la fenêtre du taxi. Ah ouais. Regarde. Ici, c'est du magnifique. Magnifique. Ils filment maintenant. Ici, c'est du 50-50. Si t'as un accident, c'est pour ta pomme, mais pour la pomme de l'autre. Voilà. Toujours. Donc. Avec bon. Batman. Eh, ils ont fait l'inauguration, mais ils n'ont pas enlevé les camions. Alors. Non. Et le problème, tout dépend de la chauve-souris. Tout vient de là. La chauve-souris chinoise. Le problème est là. Et le laboratoire. Voilà. La chauve et le labo. Les champs. Et c'est reparti pour nouvelles aventures. On est sur les champs.
Attention. Donc publie, drogue, Publicis Drugstore, avec la belle terrasse. Elle a souvent été la cible de pas mal de jets divers et variés. Et réécoutez les paroles, Tonton Cristobal, Pierre Perret. Tu la connais la chanson de Tonton Cristobal, Ramon? Ouais, un peu, ouais. Et vive la barbe, Tonton Cristobal est revenu. Tiens, une petite tente. Pour être sûr de bien avoir ou ce qu'il faut pas. Si vous là, une autre tente là-bas à gauche, devant Bulgarie. Pour être sûr de bien avoir ce qu'il faut pas. Voilà. Moi je voulais aller travailler après mais. Ouais. En même temps t'as vu ce qu'on respire, t'as vu ce qu'on prend dans la bouche. Ah, puis c'est... Ouais. Ceux qui croient qu'on s'amuse et que on veut faire du. Ouais, c'est du boulot. Hein. Ouais, c'est du boulot. Tiens, c'est la police. Ouais. C'est pas les nouvelles voitures ça? Mais c'est une voiture banalisée ça? Non, il y a le truc sans police dessus, c'est marqué. Attends, c'est police et alors elle fait voiture de famille? Non, c'est la BAC. Ah, ils sont passés au rouge? C'est la BAC. Ah d'accord, ok, laisse tomber. Bon, je filme pas, monsieur. Ils sont passés au rouge? Donc là, il y a Christian Dior, il a racheté le bâtiment. Là. C'est Dior. Dior, j'adore. J'adore. C'est quoi, c'est marqué là, en gros, regarde, Dior. Enfin, Dior. Là, je vais vous dire, je pense à mon panneau pour samedi. Ah ouais. Après, c'est Louis Vuitton, puis après, c'est Fouquet. En fait, Christian Dior, je crois que c'est pas la même maison que Louis Vuitton. C'est le concurrent. Christian ah ouais, c'est Dior, ça. C'est Pinot. Ah, regarde comment c'est joli là. Là, c'est Arnaud. Les belles animations là. C'est deux entités, les belles lumières. Eh, hey, ils ont retiré les protections, Alain. Les grandes grilles là. Pendant des mois, c'est resté après les actes GJ ici. Le Fouquet. Bon. La terrasse du Fouquet. Bienvenue. Le travelot, il est parti, mais c'est sûr que c'était une dame. Faut arrêter de taper sur les dames. C'était pas un travelot. Faut arrêter avec ça quand même. On sait plus qui fait quoi, on sait plus reconnaître les genres. Le mec, c'est un photographe espagnol et il lui parle en espagnol. C'est une dame connue en Espagne. Encore un chaos. Où? Au bout là, on est cerné, Alain. En plus, à chaque fois, j'ai comme plan le prochain. C'est pas des voitures anglaises, hein, c'est fabriqué en Chine. En Chine. Ils ont racheté le brevet aux Anglais. Hein. Comme les Anglais, ils donnent tout aussi, enfin, ou ils prennent tout, je sais pas, on sait pas comment ça marche. C'est entre eux. Tout ça, c'est entre eux. Donc, et la France a eu beaucoup de malheur avec. Les Anglais sont pas méchants, le peuple anglais, mais. Ah là, regarde la voiture là. Attends, il y a des belles couleurs aussi. Voilà. Là, c'est niqué. Non, mais la voiture là, dorée là. Ouais, en location ça, c'est quoi ça? Ferrari. Pour 80 euros, je sais pas. 80 euros la demi-heure. Pas cher. Mais tu conduis pas aussi, si tu conduis? Le mec, il te la loue, il est à côté. Il est à côté de toi. T'imagines, pour 80 euros, tu la flingues la voiture? Eh ben justement. Le Gaulois et la famille nomade, allez voir, allez rigoler un peu. Parce qu'il faut rigoler. Je crois que regardez les taxis. Bonjour, quand je vois ça, tu crois que j'en ai. Un bonjour des GG du rond-point de Bandol. Bonjour Bandol. Bonjour Bandol. Au moins vous n'êtes pas loin de la mer, vous pouvez aller vous baigner. L'avantage, la mer, elle est loin. Donc, allez voir le Gaulois et sa famille nomade. Vous faites au Nürburgring. En trottinette sur le Nürburgring. C'est le circuit en Allemagne. Ouais, tu sais combien ça coûte pour faire deux tours? Non. Si tu casses la voiture, alors ils avaient pris la toute petite, hein. C'était 8000 euros l'assurance. Par contre. Si tu te plantes. Ouais. Vaut mieux pas te planter. Il a le plus gros. Ils font une empreinte carte bleue ou quoi? Ouais, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. En fait. Si t'as passé sur ton compte, mais, tu fais pas. Mais ça, t'as pas ça en France. Ouais. Tu vas autour du bled là, t'as plein des gens, ils ont leur villa, ils ont plein de voitures garées de course. Et après, tu vas sur le Nürburgring et tu tournes avec les autres. Mais ouais. Alors, tu vois des petites voitures avec des grosses. Ouais. T'as pas ça en France, hein. Mais vous voyez le pognon qu'il y a. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Un pognon de dingue. Je sais pas ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la France. Renault. Alpine, 58 000. Donc, tu vois, ouverture prochaine. Il y en a qui disaient que c'était fini, mais c'est pas fini. Renault, ils ont. Non, ouverture prochaine pour l'Alpine. Voilà. De base, 58 000, pas cher.
Elle est belle l'Alpine. Hein. Moi j'aime bien. Mais bon, 58 000, ça nous fait un bitcoin. Allez.